Bam! Pra! Bon. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Et j'espère que mon petit air d'harmonica vous a plu. Hein? Bon. Alors, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de cette idée que j'ai eue, tout à l'heure. Bah tiens, je vais faire une nouvelle rubrique. Je vais l'intituler « Sorties vidéoludiques ». Et oui, les sorties récentes, soit du mois passé ou du mois en cours, non seulement des sorties en DVD, DVD Blu-ray, DVD, DVD 4K, et ultra définition, et de films, et aussi de séries télé. Et je rajoute les jeux vidéo, puisque depuis l'été dernier, je fais assez régulièrement des lives sur YouTube de jeux vidéo. C'est donc aussi une nouvelle rubrique. Et je vais commencer tout d'abord par les sorties cinéma en DVD. Celle-ci date du mois passé, puisqu'il s'agit de Wonder Woman. Oh, ma gentille déesse. Alors, elle est sortie en DVD Blu-ray, et ainsi que en 4K, elle est sortie aussi, il me semble, puisque je l'ai vu ici, voilà, dans mes petits bouquins. Alors, mes sources, pour vous parler de tout ceci, ce sont des bouquins offerts gracieusement par mon hypermarché, le bien nommé C. Bon, je fais pas la publicité pour eux, mais c'est un une chaîne d'hypermarché, de supermarché, qui commence par C et qui finit par R. Donc vous l'aurez compris, vous l'aurez deviné. Et également une chaîne de restauration rapide qui offre ce magazine gratuit qui s'appelle R. Voilà. Où je mange des fois un hamburger et des frites. Et le bouquin gratuit de C, il s'appelle Savoir. Voilà, savoir. Je vais cacher le nom de l'hypermarché parce que, en aucun cas, je suis mandaté et payé par cette chaîne de supermarché et d'hypermarché. Alors, je cache le nom. C'est pas facile. Allez voir. Vous avez deviné déjà. Ça s'appelle Savoir. Bien. Pour la précision. Faites. Alors, de quoi que ça cause? De quoi c'est ça, là, l'histoire de la Wonder Woman? Comment on dit ici dans le Berigo? Depuis sa plus tendre enfance, Diana, princesse des Amazones, ne rêve que d'aventure. Et d'amour. Quand un pilote américain s'écrase sur son île paradisiaque, elle décide de la quitter pour aller prêter main forte aux humains en pleine guerre mondiale. Intelligent, épique, haletant, bourré d'action et d'humour, ce petit bijou de blockbuster évite les clichés et parvient à sortir du lot des films de super-héros. Une très bonne surprise. Je n'ai pas pu le voir cet été au cinéma parce que c'était pas prêt. Je voulais le voir en 3D et les horaires ne correspondaient pas à mes disponibilités. Alors j'ai dit tant pis, je le verrai ultérieurement, soit en téléchargement ou en DVD. Ceci c'est la sortie en DVD du mois d'octobre.
je feuillette mon bouquin, et c'est la seule d'ailleurs sortie en DVD qui m'intéresse. Hein. Je le précise, hein, c'est comme les sorties cinéma, c'est les films qui m'intéressent. Voilà, et maintenant, je vous parle de la sortie pour ce même mois-ci d'ailleurs, sur Netflix, hein, et qui est sorti au mois d'octobre. Hein. Il s'agit de Stranger Things, saison 2. Alors, à ce sujet, j'avais fait un tweet où j'avais exprimé mon enthousiasme quant à cette série que j'avais bien appréciée, de par son histoire, mais aussi par sa reconstitution vraiment intéressante des années 1980. Années qui me sont chères, n'est-ce pas, puisque il y a eu tellement de souvenirs dans les années 1980. Le temps est passé. On ne peut plus le retrouver. C'est un peu poétique ce que je viens de dire. Légèrement poétique, oui. Bon. C'est dans la lignée du film Super 8. Que vraiment, j'ai bien apprécié cette série. Et je trouvais... il y avait 8 épisodes, il me semble. Oui, c'est ça. Et qui était vraiment comme le marque d'ailleurs le magazine, c'est envoûtant et passionnant. Alors faut avoir vu la saison 1, évidemment. Et là, donc quoi que ça coûte, ça cause. Après les terribles événements de la saison 1, la petite ville d'Hawkins est une nouvelle fois en danger. Mike et ses amis vont devoir faire face à une étrange menace. Alors, qu'Eleven... Ah oui, il faut que je vous parle d'Eleven. Parce que Eleven, elle est très importante dans la série. D'ailleurs, elle est ici en photo. Alors, il parle à ce sujet dans le magazine R du mois de novembre 2017. Que je retrouve ceci. Il y a tout un article sur la saison 2 de Stranger Things, ici, voilà. Vraiment un super article que j'ai pas encore lu. Et Eleven, c'est la fille là, ici. Bon, dans la saison 1, elle fait plus garçon qu'autre chose, mais c'est bien elle, ma petite. Et voilà, je sais pas si on la voit bien. Eleven ? Hello. Voilà. Enfin, c'est vrai qu'elle fait grand, vraiment garçon. Hein. Elle fait garçon manqué, hein, Sophie. Mais pour revenir à cette saison 2, voilà, il y a tout un article intéressant là. Voilà, je vous le montre. Voilà. Et puis y a 4 pages dessus. Voilà. On a bien de quoi lire hein, pour ceux qui apprécient la lecture. Et de contempler certaines images de la série, enfin de la saison. On voit pas bien, excusez-moi pour le contre-jour. Voilà, ici, voilà, quelques photos. Voilà, et les gamins qui sont habillés d'ailleurs en chasseurs de fantômes, c'est marrant. Voilà, ici. Et vraiment, c'est une série que je vous invite à voir ou à découvrir. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est d'excellente facture. Maintenant, pour ce même mois d'octobre, qui c'est qui a été en jeu vidéo, en sortie, une précision pour Stranger Things saison 2. Donc j'ai dit c'est sorti au mois d'octobre, mais je ne sais pas quelle date, bon, si je trouve, vous marquerez en dessous hein, du descriptif de ma vidéo, comme d'habitude. Alors, les jeux vidéo, qu'est-ce qu'il y avait de bon? Moi, j'ai rien trouvé. Hein. Rien qui m'intéressait en sortie, vraiment. C'est un mois sans pour moi. C'est donc du 0 sur 20. Ouais, il y a vraiment, vraiment rien pour moi. Il n'y a rien pour moi en ce mois d'octobre. Bon, à moins que je me trompe, je me suis trompé, puisque là, j'étais fixé sur le magazine R
hein, de cette fameuse chaîne de restauration rapide, où c'est vrai qu'il faut pas trop manger souvent, parce que autrement on devient un gros bonhomme ou une grosse bonne femme. Bon, mais hein, de temps en temps, faut bien se faire plaisir. Alors, jeux vidéo, je disais donc, au mois d'octobre, que je retrouve tout ceci. Eh, je me suis mélangé les pinceaux. Oui, puisque il y avait d'autres choses avant tout en film. Sorti le... Est-ce que j'ai la date? Je ne l'ai pas non plus. Ben, j'essaierai de la trouver. Concernant Les Gardiens de la Galaxie numéro 2. Film que j'avais vu au cinéma en 3D. Oui, en 3D, c'était bien... Autant que je me rappelle, au mois de mai dernier. Je n'avais pas fait la critique YouTube. J'avais fait un tweet. Et j'avais bien aimé ce film-là. Même que j'avais laissé... J'avais été assez ému par moments. Je l'ai surpris. Et voilà. Et cet arbre, hein, qui s'appelle... humanoïde arbre. Là, ici, en fait, c'est... Vous savez, je s'appelle Groof. Groof. Je s'appelle Groof. Là, il a un petit trou Groof dans le film. Oh, il est trop mignon. Et mon ami, le raton laveur qui parle, Rocket, que j'ai ici en miniature, le petit Rocket. Je sais pas si on le voit bien là. Rocket. On voit pas bien parce qu'il y a un contre-jour. Donc, j'avais eu en fait dans une pochette surprise, dans cette même d'ailleurs chaîne d'hypermarché bien connue, voilà, lors d'achat. Et j'avais eu, voilà, cette figurine ventouse, en fait, aussi ventouse. Voilà. On peut l'accrocher où on veut. Il suffit de le mouiller un peu. Le petit Rocket. Et ce, je s'appelle, eh bien. Ben de quoi, ben d'abord ce gardien de la galaxie numéro 2, ben de quoi que ça cause? Alors, Rocket, dans le film, il s'appelle Bébé Groot. Donc, l'enfant de, je s'appelle Groot. Mais bien sûr, faut quand même avoir vu le premier avant d'attaquer le deuxième, parce que bon, il y a quand même des éléments importants qui se connectent. Et si on n'a pas vu le premier, ben on est quand même largué. Hein. Et Peter Quill, alias Star-Lord, Drax est la énigmatique et gentille et des fois peut être aussi méchante. Gamora ont donné un bon coup de main au peuple des souverains. Mais alors que les gardiens, remerciés, s'apprêtent à partir, Rocket commet un vol. Oh, le vilain Rocket. La reine des souverains lance impitoyablement ses vaisseaux de combat à la poursuite de nos héros. Voilà, c'est un film, hein, que je vous conseille parce qu'on passe un bon moment. Et c'est aussi assez émouvant, comme je le disais, par moment. Suivi de, eh bien, d'une sortie, là j'ai la date, c'était sorti le 24 octobre, en Blu-ray bien sûr, de toute façon ils sortent généralement tous en Blu-ray, et certains en 4K, il s'agit de Baywatch, alerte à Malibu, ici voilà, alerte canicule, l'hiver va être chaud, marqué là, voilà, il y a la photo de l'affiche, voilà. Et j'ai entouré, hein, ma gâtée. Une de mes actrices préférées, Alexandra Daddario. Hello to you. Voilà. Ici, bien sûr, Dwayne Johnson, alias The Rock. The People Champions. The most electrifying man in sport entertainment. The most electrifying man of sport entertainment.
The Brahma Bull, l'ancien catcheur que j'aime bien et qui a vraiment été à une masse musculaire vraiment impressionnante. On voit pas très bien en détail, mais bon, ça semble bon à se voir. C'est une vraie armoire à glace. Voilà. Et film que je n'ai pas vu au cinéma, mais je compte bien le voir soir, ben, comme d'habitude, vous le savez bien, ou acheter. Je verrai bien. Je crois que c'est tout, non? Ah non, alors voilà. Bon là, je remonte, il y a une publicité sur Wonder Woman. Et je cache le logo pour qu'on pas faire de publicité dans quel magasin c'est sorti, voilà. Et hop, Wonder Woman, la magnifique. Le sublime Gal Gadot. Hello to you, ma princesse. Ben vraiment, c'est un... Je crois que... Je vais peut-être me lâcher directement en neuf, parce que... Je veux voir ce film. Bon. Ensuite, et lui... Alors, j'ai la date de sortie. Hein. C'était le 7 octobre. Disponible hein, en achat physique ou en achat digital. Sur Nolim Film, pour ceux qui connaissent. Ensuite, eh bien, quand même, il y a quand même pas mal de sorties hein, en ce mois d'octobre. Je n'ai pas la date, hein, par contre, il s'agit de Alien Covenant de Ridley Scott. Hein, non, alors, la suite hein, de Prometheus, que j'avais adoré. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi. Certaines personnes ont détesté ou n'ont pas aimé ce film. Bon, moi j'ai vraiment adoré ce film-là, c'était super planant, ouais, j'ai adoré. Et mon ami Ridley Scott, d'ailleurs qui est un de mes réalisateurs de films préférés, j'adore cet homme-là. Pour moi, il fait quasiment que des chefs-d'œuvre. Bien sûr, ce film est disponible en DVD et Blu-ray. Il me semble que je l'ai vu aussi en 4K. Bon, je pense, mais je suis pas sûr. Bah alors, de quoi que ça cause? Alors que le vaisseau spatial USCSS Covenant se dirige vers la planète Origae 6 pour y implanter une colonie, l'équipage reçoit un appel à l'aide provenant d'une planète proche, le Covenant. Ce nom du vaisseau spatial fait halte sur la planète, pensant y trouver un lien propice à une installation humaine. Mais ce qui s'y cache est terrible. Et oui. Bon, alors vraiment, c'est un film définitivement à voir, que je vous conseille fortement, même très fortement. Et que moi, si je le vois aujourd'hui, je vais faire un tour tout à l'heure dans un magasin. Bon, je ne dis pas que je vais pas l'acheter. Hein. Ça dépendra. À moins que bon, je le vois avant en téléchargement, mais je peux avoir la main dépensière aujourd'hui. Aujourd'hui ou un autre jour. Voilà, il y a une photo de Ridley Scott d'ailleurs. En train de montrer un écran de contrôle, voilà. Certainement une image tirée du film. Également ici, eh bien, une des filles du film. Voilà, une des filles fortes. D'ailleurs, c'est la fille qui est sur les traces de Ripley. Mais franchement, bon, Ripley, c'est Ripley. Hein. Elle est irremplaçable. Sigourney Weaver. J'adore Sigourney. Michael Fassbender, un de mes acteurs que préférés américains. D'ailleurs, j'en parle quasiment pas, mais j'ai quand même des acteurs préférés. Hein. Michael Fassbender en fait partie. Acteur américain, je trouve vraiment excellent. Voilà, l'image du film. Et là, voilà, toc, la jaquette du DVD en tout petit. Voilà. Et maintenant, eh bien, pour conclure, voilà. Alors, aussi une autre petite information
voilà, petite information sur vraiment sympa ce C'est Savoir gratuit où voilà, il y a pas mal d'informations et voilà, il y a des choses concernant les tenues de Wonder Woman. Alors, ben, quand j'étais petit garçon, j'étais amoureux d'elle. Oui, c'est magnifique. C'était la première Wonder Woman, hein, la série des années 1970, avec Linda Carter. Mais oui, mais ça c'est mon enfance. On peut pas me l'enlever, ça. On peut pas me l'enlever. J'étais amoureux de cette femme-là. Et elle me rappelle des fois, ben, mon Guigui était tout dur. Je pouvais pas m'empêcher. Ouais, j'avais dans les 11 ans, par là, 10-11 ans, quoi. Bon, hein. Et la nouvelle Wonder Woman, ici. Voilà, magnifique Gal Gadot, vraiment. Vraiment, c'est vraiment une bonne, une magnifique, enfin, une relève parfaite, je trouve. Au point de vue physique, vraiment. Elle est géniale, quoi. Donc, avec bien sûr, un nouveau costume de Wonder Woman. Donc, là, ça fait bien sûr, ça fait kitsch, hein, mais c'est les années 1970, hein. Et puis là, bon, bah, ça fait plus qu'on, voilà, plus, voilà, la guerrière Amazon. Hello to you. Bien. Maintenant, les jeux vidéo. Ben, j'en ai deux. Alors, sur la PS4, sortie le 27 octobre. Enfin, il m'intéresse, mais quand même, c'est relatif. Puisque je l'ai sur PS3. Et ben, vraiment, j'y joue pas souvent. Mais le sport m'intéresse en général. Mais je regarde pas les matchs, mais bon, ça m'intéresse en général. Mais bon, dans les faits, je ne sais pas si je vais l'acheter ou attendre l'occasion, enfin l'acheter neuf ou attendre l'occasion. D'ailleurs, je l'ai vu dans ce même hypermarché pour quand même 69,90 €. Hein. Et pas 70 €, hein. Il s'agit de Rugby 18, sorti le 27 octobre. Donc c'est en genre simulation de rugby, distribué par Big Ben Interactive. Alors il marque, l'Ovalie a enfin son digne représentant vidéoludique. Avec Rugby 18, les fans de rugby vont pouvoir effectuer aisément tous les choix. Tactiques et gestes, voilà, techniques, inhérents à ce sport. Mêlée, drop, maul, hein, pour ceux qui connaissent. Mais aussi découvrir un large contenu officiel. Ce dernier inclut notamment l'intégralité du top 14 et du premier chip rugby et reproduit esthétiquement plus de 2000 rugbyman issus de la saison 2017-2018. Une simulation incontournable. Bon. Mais, bon, j'aurais quand même bien fait la démo pour voir avant tout. Malheureusement, je n'ai pas trouvé pour l'instant. Sur le PSN. J'aurais quand même bien essayé, quoi. Et l'autre jeu, eh bien, hein, dont c'est une discipline dont je suis fan depuis, eh bien, 1998, c'est presque 20 ans, hein. Je suis vraiment un grand fan de catch nord-américain. C'est la nouvelle mouture WWE. Enfin, W2K18, sorti le 31 octobre dernier, et distribué par 2K Sports, simulation de catch, hein, en genre. Oh, j'ai fait une erreur, non. Il est sorti sur PS4 le 17 octobre dernier, oui, ça fait presque un mois. Alors, un moteur de jeu remis à jour, un meilleur rendu graphique, hein. Bon, c'est ce qui marque, hein. Un nouveau système de progression débloquant améliorations et bonus après les matchs ou encore des modes de jeu inédits.
permettant d'accueillir jusqu'à 8 personnes sur le ring en même temps. Pas de doute, les superstars du catch, environ 150, parmi lesquels Seth Rollins, John Cena et The Undertaker, reviennent cette année plus en forme que jamais. Il faut savoir que Undertaker est parti en retraite, hein. Ils leur sortent du placard pour lui faire prendre l'air au WrestleMania. Bon, j'ai le 2K17 et c'est vraiment une simulation pure et dure. Faut vraiment s'accrocher et j'ai eu beaucoup de mal pour la prise en main. J'ai toujours et je n'ai pas réussi à gagner un seul match. Donc pour l'instant je suis quand même découragé. Hein, mais j'écris mon personnage. Skull de Skull. The Hardcore Icon. Bon, je ferai une vidéo plus tard d'ailleurs sur mon personnage créé. Dans un prochain live au mois de novembre. Alors ne manquez pas ça. Et en parlant de ça, je ferai les lives le week-end pour avoir le maximum de personnes qui me suivent. Probablement à partir de 1h d'après-midi. Alors. Surveillez-moi sur YouTube pour quelques images, enfin voilà, les images de jeu, mais c'est quand même sommaire, voilà, une image de jeu ici. Par contre, la jaquette, elle est différente, hein, c'est pas celle-là, hein, elle est pas noire. Voilà. Et puis, voilà, là, la jaquette officielle du jeu, et voilà, deux catcheurs dont j'ai oublié les noms. C'est Anderson et l'autre, je sais plus quoi, il le surnomme le Doc. Bref, voilà ce qui conclut pour le mois de novembre. Le mois d'octobre, hein, qui était quand même assez fourni. Voilà. Maintenant, eh bien, le mois de novembre, justement, donc je vais commencer par, cette fois-ci, le C savoir et les sorties de films et de séries. Et tiens, je parlais tout à l'heure de Baywatch, le film. Baywatch, je rappelle, c'est une série un culte des années 1990, n'est-ce pas? D'ailleurs, je n'ai jamais vu aucun épisode de cette série-là, mais je savais juste que c'était culte, mais surtout il y avait deux actrices qui m'intéressaient particulièrement, hein, bien sûr, Pamela Anderson et puis Carmen Electra. Et puis là, il parle voilà justement du film avec de People's Champion, Dwayne Johnson, The Rock, et là on voit mieux sa musculature vraiment impressionnante avec ce tatouage énorme maori. Donc, un tatouage cabalistique maori, hein, vraiment impressionnant. People Champion. Il y a toujours des petits articles intéressants. Hein. Ça parle sur lui, tout ça. Hein, sur le film. Ensuite, c'est un film qui est classé comme en fait un film de survie. Enfin, pour moi, c'est. Moi, je classifie ça comme un film de survie en milieu aquatique. Il s'agit de 47 Meters Down. Bon, là, ils ont gardé le titre en anglais, mais enfin, bon, en français, c'est 47 mètres en dessous. Film, je sais pas si c'est américain. Alors, bien sûr, j'essaie de trouver les informations hein, par rapport à tout ce que je vous dis. Hein. De Joan Roberts. Bah, l'histoire, c'est Lisa et Kate qui partent en vacances au Mexique. Kate vient de se faire quitter par son fiancé qui la trouve ennuyeuse. Alors, pour se prouver qu'elles ne le sont pas, les deux sœurs se lancent un défi, descendre dans une cage sous-marine entourée de requins affamés. Ouais, ça peut être sympa, ça. Je vous le conseille pas, hein, franchement. Enfin, bon, si vous voulez faire un défi de jackass, pourquoi pas.
Et il est disponible hein, depuis le 8 novembre dernier. Également en téléchargement sur Nolim Film, ouais, c'est ça. Et distribué par Wildchild. Alors là, une petite photo hein, du film avec la jaquette. Les filles, qui sont d'ailleurs, elles sont assez mignonnes. Voilà. Hello. Voilà. Et la jaquette ici. Tac. Bon. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais ça peut être sympa pour le suspense. Vont-elles se faire bouffer, n'est-ce pas? Et bien, c'est tout, en fait, pour les films. Hein. Et il n'y a rien d'autre pour moi, pour ce mois de novembre, ainsi que série. Alors, je vais finir cette vidéo par, eh bien, le jeu vidéo du moment. Je dirais un des jeux vidéo du mois de novembre. S'il s'agit de Call of Duty World War II, sorti le 3 novembre sur PS4. Bon, je dis PS4 parce que j'en possède une. Enfin, il est aussi dispo sur Xbox One et PC. Voilà. Garde à vous, Troufion. Alors, de quoi il sera question cette fois-ci dans ce Call of Duty? Eh bien, il suffira eh bien, de sauver votre peau, tout simplement, dans les films de guerre. Il faut sauver sa peau. À savoir, ben, ça commence par le débarquement en Normandie, puis après, ben, hein, c'est parti hein, jusqu'à la chute du Troisième Reich à Berlin, je suppose. Enfin voilà, donc là il y a un petit petit explicatif. Qu'est-ce qu'ils disent en fait pour raconter en fait l'histoire, c'est que voilà, ils reprennent les fondements hein, du ce qui a fait le succès des Call of Duty. Hein. À l'époque, c'était quand même sur PS2. Et là, en fait, ils reviennent aux sources pour, eh bien, visiblement, le plus grand plaisir des joueurs. Alors, je parlais du débarquement en juin 44 hein, sur les pages normandes. Hein. Eh ben, justement, à la chute du Troisième Reich à Berlin, un an plus tard, en passant par la bataille des Ardennes avec la 101st Airborne. The Screaming Higgins et The 82nd Airborne, hein, les valeureux et courageux parachutistes américains. Dans cette terrible bataille des Ardennes et de la forêt de Hürtgen sur la frontière belgo-allemande. Et justement, en face aux nazis, la tâche est rude. Mais on peut compter sur le général COD pour remotiver son armée. Cette dernière est d'ailleurs à nouveau capable d'assumer pleinement ses techniques de guerre traditionnelles, lance-flammes, mortiers et autres tapis de bombes, etc. etc. Alors définitivement, je pense que c'est une des grosses sorties de cette fin d'année 2017. Au départ, quand j'ai vu ce qui s'était présenté à l'E3, à Los Angeles, hein, au mois de juin, je me suis dit encore un Call of Duty. J'ai déjà tout tué là-dedans. Là. J'ai buté tous les nazis et puis les Japs aussi. Là. Ils ont pas encore ressassé tout ça. Et visiblement, eh bien là, ils ont fait une bombe au niveau du jeu avec des graphismes d'enfer et puis vraiment une immersion sans précédent. Bon. Et alors, je ne sais pas si je l'achèterai en neuf. À suivre. Peut-être. C'est possible. C'est possible que j'achète en neuf. Mais j'essaie de trouver. Des fois, ils font des opérations commerciales à un moment du jeu, de la sortie du jeu vidéo. Et je l'ai vu justement. Eh bien, pas plus tard que avant-hier dans cette fameuse chaîne de hypermarché. Pour le prix de 55 euros, constatez alors
avec en comparaison, j'ai vu dans un autre magasin spécialisé en jeux vidéo et produits de la pop culture à 69,99€, ce qui fait donc une différentielle de 19€, non, je vais en rebêtiser, 14,99€. Bon, ça fait quand même un prix intéressant pour ce jeu-là. Alors, je sais pas. Bon, je suis hésitant, mais enfin, les offres comme ça, ça va pas durer, quoi. Mais bon, j'achèterai, mais je ne sais pas si ça sera en neuf ou en occasion. Eh bien, voici ce qui conclut, je pense, ma nouvelle vidéo pour aujourd'hui. Je vérifie si j'ai pas oublié quelque chose dans les sorties DVD. Non, j'ai bon. Ah oui, voilà, alors une précision concernant Spider-Man Homecoming. Ah bah là, bah, je vais pas parler de l'histoire. Alors d'abord, il sortira le 20 novembre hein, en Blu-ray et DVD, ainsi qu'en vidéo sur la demande. Lycéen le jour, Peter Parker devient le fameux Spider-Man après les cours. Spider-Man. Bon, c'est la petite musique hein, du dessin animé des années 1970. J'adorais. Et bien, suite à sa rencontre palpitante avec les Avengers, l'adolescent veut encore plus d'action. Alors, quand un homme commence à menacer sa petite ville, le Faucon, il ne tarde pas à redevenir l'homme araignée. L'araignée. Ta-ta-la-ta-ta-la-ta-la. Bon. Ouais, mais c'est assez sympa comme film, mais j'ai pas plus accroché que ça. Et voici, eh bien, maintenant, ce qui finit cette longue, eh bien, vidéo de ma nouvelle rubrique sortie vidéoludique. Bah oui, parce que j'ai fait deux mois. Hein, j'ai oublié le mois d'octobre. Enfin bon, maintenant j'essaierai d'être plus vigilant. Et comme d'habitude, hein, mettez-moi tous vos commentaires. Est-ce que tout ce dont je vous ai parlé vous intéresse? Si oui ou non, argumentez tout ça. Et puis, comptez-vous vous acheter ça pour Noël, par exemple, ou offrir hein, en idée cadeau. Faites-le-moi savoir. Comme d'habitude aussi, n'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux sociaux, à savoir Twitter, La Presse Ciné, Facebook, Le Post Ciné. Et puis, merci encore pour votre attention. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Regardez, hein, je mettrai autant que possible les informations concernant tout ceci dont je vous ai parlé. Et également, si j'avais quelque chose à rajouter, je mettrais un post-scriptum, hein, un PS. Alors, n'oubliez pas de regarder mon descriptif. C'était Fred, et puis moi, je vous donne rendez-vous hein, pour une prochaine vidéo. Salut !